tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Coucou les loulous. Coucou. Est-ce que ça va aujourd'hui? Oui. Et les petits copains? On espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo sur quoi? Des hot dogs mommy. Et oui, nous allons faire une recette avec Corentin et Océane. Alors Corentin va nous expliquer ce qu'il va falloir pour la recette, pour faire ces hot dogs mommy. Alors c'est pour Halloween qu'on fait ça. Oui. Et oui, ce sera votre recette pour Halloween. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? 8 knackis. Oui. De la pâte feuilletée et un peu de ketchup. Ok, donc ce sera une recette pour 4 personnes. Donc on a pris une seule pâte feuilletée avec 8 knackis. Parce qu'on va faire 2 par personne, on est des gourmands. Et un petit peu de ketchup. Et en ustensile, Océane, qu'est-ce que tu as dans la main? Un truc pour couper les pizzas. Bon, on a pris une roulette à pizza. Bon, après, ça peut être un couteau. Et attention, ne pas utiliser sans la surveillance d'un adulte. Et on aura besoin d'une plaque avec une feuille de papier sulfurisé. Alors on y va, on fait la recette? Oui. Bon, qui va gagner la pâte feuilletée ou Océane? Attention. Attention, les jeux sont faits. Dites-nous dans les commentaires si Océane va ouvrir réussir à ouvrir sa pâte feuilletée ou pas. Dites-nous le dans les commentaires. Attention au suspense. Attention. Océane n'a pas réussi à l'ouvrir tout seul. C'est maman qui l'a aidé à ouvrir. Donc maintenant tu vas sortir la pâte feuilletée, c'est ça? Hop là, il faut la mettre dedans. Alors maintenant c'est Corentin qui se bat avec la pâte. Alors attention, est-ce qu'il va y arriver? Attention. Alors coucou, on se retrouve. Alors je vais aider Corentin et Océane à couper la pâte. Alors maintenant il va falloir couper la pâte en des fines lamelles. Donc je vous le répète les enfants, ne faites pas ça tout seul, donc voilà, donc ça va faire des petites lamelles. Alors Océane nous a piqué un morceau de pâte, en train de jouer avec, voilà. Donc on continue. Alors Océane, tu piques pas celui-là, le morceau, hein? D'accord. Donc on va couper des petites lamelles, comme ça, toutes fines, toutes fines, toutes fines. Voilà. Hop. Alors on va faire ça, toute la pâte, d'accord? Maintenant, vous y voyez d'un petit peu plus près, donc vous voyez, hein, ça fait vraiment des fines lamelles, hein, Corentin? Oui. Elles sont très très fines, ces lamelles. Voilà, donc on fait vraiment tout, tout, tout. Et voilà, donc là, on prend un knacki, on prend une pâte, comme ça, qui colle un peu aux doigts, et on va l'enrouler tout autour. Voilà, donc si vous n'êtes pas régulier, c'est pas grave, donc laissez quand même un petit espace pour faire le visage. Et regarde. Alors, on va en prendre une deuxième. Voilà. Donc la deuxième, là. Donc après, c'est vraiment pas grave si on n'est pas régulier. Donc vas-y, tu peux en prendre une et tu fais toi aussi avec une craque. Cool. Pourquoi ça colle ça? Toutes les pattes dans le monde, ça colle. Donc on continue avec Océane. Alors Océane, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre où? Au four. Alors on va mettre ça dans un four préchauffé à 210 degrés pendant 15 à 20 minutes. On met au four? Oui. Allez, on va mettre ça au four. Et attention les enfants, ne touche pas le four sans les parents. Et voilà, c'est cuit. Donc regardez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Waouh. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Océane? On va faire les yeux. Et on a mis quoi là-dedans? Alors là-dedans, du ketchup. Et oui, on a mis du ketchup. Et avec le dos de la cuillère, enfin pas le dos, le manche de la cuillère, Océane est en train de faire les yeux. Parce que si on prend le ketchup et qu'on verse, et ben, ça va verser partout. Bon, après, c'est vrai que le ketchup, ça se voit pas trop. Vous pouvez prendre de la mayonnaise ou alors de la moutarde. Mais Corentin et Océane ont préféré mettre du ketchup, voilà. Donc voilà, donc on fait les yeux avec du ketchup, ça soit moins, mais bon, c'est aussi bon. Même parfois. Alors avec Océane, on allait chercher le pot de mayonnaise parce qu'on voulait que les yeux se voient un peu mieux.
Donc voilà, donc pareil, on trempe, hop, là on fait les yeux. Voilà, donc on a mélangé du coup mayo ketchup. Oh, t'en as mis un petit peu trop. C'est pas trop grave. Moi j'ai fait deux yeux collés. J'ai fait deux yeux collés moi. Alors ça y est, c'est terminé. Donc voici à peu près à quoi ça ressemble. On va le dresser dans un plat et on passe à la dégustation. Oui. Oui. Donc voilà, c'est terminé les loulous. Oui. Alors je vais montrer aux petits copains à quoi ça ressemble. Donc voyez à quoi ça ressemble. C'est super chouette. Ça ressemble vraiment à une petite momie. Donc maintenant on passe à la dégustation. Oui. Oui. Alors aussi elle a disparu. Bah non, il en manque pas, louloute. Ah mais elle est là. Bah oui. Il manque Océane. Alors on goûte? Oui. Vas-y, goûtez. Vous me dites si c'est bon. Attention, ça peut être chaud. Non, c'est pas chaud. Après, si vous voulez, vous pouvez tremper aussi dans le reste de ketchup. Ah. Mmh. Mmh. Donc, ça, c'est un gros bon. Mmh. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Waouh, super. Ouais, ça peut être que bon, hein. Ça peut être que bon. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Voici la dernière recette pour Halloween qu'on vous fera. On va recommencer les recettes normales. Voilà. Donc surtout, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà fait cette recette ou une recette similaire. Donnez-nous des idées de recettes. Dites-nous surtout si cette vidéo vous a plu. Et mettez un petit... Et en attendant la prochaine vidéo, ciao, ciao. Ciao, ciao. Et si vous la regardez à l'heure du repas, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit à vous les chéris. Bon appétit.